C'est parti. Donc, tout d'abord, merci pour cette invitation de la part de Didier et de l'équipe Copy pour présenter. Le menu, on va essayer de faire assez rapide, surtout ma partie. Je suis très connu pour être bavard, je vais vraiment aller vite. On va présenter la communauté et beaucoup de retours d'expérience sur la région grenobloise. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Stéphane Ribas, je travaille à l'INRIA. En fait, j'ai un passif de gestion de communauté. En sachant que pour moi, c'est un chef de projet 4.0, c'est-à-dire qu'il va aussi coder, il connaît beaucoup de choses. C'est pas simplement faire du Facebook, c'est pas ça du tout. Ça, ce sont des, c'est complètement différent. Pour nous, à INRIA, c'est vraiment un chef de projet 4.0. Deuxième chose, moi, j'étudie les pratiques autour des community management, et puis j'aide les autres équipes INRIA à se lancer dans l'aventure du logiciel ouvert, logiciel libre. Parce qu'il y a beaucoup de méthodologies. Je parle de méthodologie. Ben, en fait, je vous en montre. Voilà ce qu'on a fait pour Copy. Lorsqu'ils sont arrivés me voir il y a plusieurs années de ça, hein, c'était vraiment tout début. Écoutez, j'ai proposé d'essayer d'abord de regarder un petit peu l'environnement qui se passait autour de Copy à cette époque, la robotique. On a essayé de construire une stratégie sur les 3 prochaines années à partir du moment, des objectifs aussi, on en a défini. Et ensuite, on a créé un habitat numérique. Souvent, les gens disent, mais c'est quoi un habitat numérique? Un habitat numérique, c'est en fait la réunification de 3 choses. Un site vitrine, comme une vitrine d'un magasin, où on peut venir et présenter l'équipe. Deuxième chose, c'est la collaboration entre les développeurs. Derrière la vitrine, il y a toujours une usine. Ben, c'est ça, c'est pour nous une forge, une informatique. Et puis, la troisième chose, c'est un lieu de discussion, que ce soit entre nous ou avec les communautés externes. Donc là, on a défini un site vitrine avec le WordPress, et j'en profite pour féliciter Damien et toute l'équipe au pied du. Je voudrais féliciter Damien, si j'en ai oublié, comme Théo ou Stéphanie ou Didier, je m'en excuse. Je voulais vraiment remercier pour le travail qu'il avait fait ces derniers temps, Damien Caselli, parce qu'il a énormément aidé à la remise en ordre du site web et le forum. Donc pour nous, à Copy, on a un site vitrine, un forum, c'est le lieu d'échange et de discussion, et notre forge, le lieu où les collaborateurs, les développeurs travaillent, c'est GitHub. Avec ces 3 piliers, vous avez déjà énormément de quoi faire pour collaborer avec vous. Bien sûr, on développe du code, on fait beaucoup d'initiatives, nous la chemise, hein, les Mathieu, Nicolas, Stéphanie, Didier, sa chemise elle est trompée, etc. Au niveau de la promotion du projet, on fait beaucoup de projets de buzz, de marketing, j'avoue que je suis un petit peu responsable, mais l'équipe aussi, beaucoup même, vous pouvez voir pas mal de vidéos. D'ailleurs, Copy a une vraie vie sociale, hein, si vous regardez Copy Social Live, vous tapez ça, vous trouverez énormément de choses qui se passent toutes les heures dans le monde. Puis ensuite, on essaie d'animer la communauté, bien évidemment, il y a des techniques. On essaie d'augmenter le nombre de membres. Et puis bien sûr, on surveille tout ça et on se remet en cause. C'est très important. Alors, bah, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, c'est bien gentil, il me montre une méthode. Mais c'est quoi ces chiffres? C'est quoi ces résultats? Ce qu'il raconte, est-ce que c'est efficace? Donc, en suivant ces méthodes, on fait ceci à l'INRIA sur des projets, hein, ce que je vous ai donné là comme méthode. Bah, aujourd'hui, on est arrivé à 22 codes développés. 22 contributeurs sur le code. Alors, il faut savoir que des gens disent, ah, oh, c'est pas beaucoup. Eclipse, ils sont 9 sur le noyau. 9. Eclipse, ils sont 9. Je ne sais combien d'entreprises travaillent derrière. Ils sont 9. Pour remettre les choses à leur place, 22, c'est un super score. C'est un excellent score. Plus de 900 membres sur le forum. Il faut savoir qu'en fait, au-dessus de 100 membres, on peut commencer à déléguer des tâches. Ça, c'est des études qu'on a fait. Et donc, on est très très content d'avoir plus de 900 membres sur le forum. Et c'est pas tout. C'est qu'on peut, grâce à ce forum, on a regardé, il y a beaucoup d'utilisateurs qui répondent aux utilisateurs. En fait, il y a 8 à 10 utilisateurs par jour qui se répondent entre eux. C'est-à-dire que c'est pas nous qui répondons. C'est pas Didier, c'est pas Mathieu, c'est pas Nicolas. Ce sont les utilisateurs. C'est très important. Ça veut dire qu'il y a un niveau de connaissance qui a été transmis, et on est content. Il y a toutes les heures une question et une réponse. Alors, je voulais mettre quand même le profil des gens. On a beaucoup de profs, beaucoup d'artistes, beaucoup d'enseignants. Beaucoup de scientifiques, pardon. Bien évidemment. Ouais. Le reste des petits camemberts sont les makers, les fab labs, les passionnés, les listes. D'accord? Donc on est vraiment, il faut être honnête, la plupart c'est enfin, des scientifiques, des professeurs. Une grosse communauté saisie. Avec les scientifiques. Je vais terminer sur la partie communauté puisque je vais laisser la place à d'autres. Je vais accélérer. Pour moi et pour Copy, c'est ce que j'ai vraiment essayé de pousser et que, en fait, c'est même pas que j'ai poussé, c'est eux qui me l'ont dit, hein, mais je vous rappelle juste ce qu'ils disent. Le code est plus important. Le code n'est pas important lorsque l'utilisateur est dans la boucle. Lorsque vous nous faites vos remarques sur le forum, on est super preneurs et on vous écoute. Et c'est vrai. S'il vous plaît, n'hésitez pas même pendant ces 2 jours de colloque à
voilà, à dire de pire que je n'aime pas, j'aime ça, j'aime si j'aime. Voilà. Deuxième chose, la plus importante pour moi, c'est que la communauté est plus importante que le code. Et pour vous le dire, invitez vos élèves à rejoindre le forum Dessine-moi un robot qui te présente des choses. Invitez-les aussi à rejoindre le forum Copy pour ceux qui peuvent atteindre ce niveau. Mais déjà commencez par Dessine-moi un robot. Dites à vos élèves, viens t'inscrire, mets les actions qu'on a mises. C'est pas à moi d'écrire en tant que professeur, mais c'est à toi l'élève et on va t'aider, on va corriger. Et ils ne seront pas jugés. On peut même faire un truc privé, hein. Pour qu'on commence avec eux. Mais je vous invite à... Si vous trouvez que Dessinez-moi un robot ou que le forum Poppy ne vous plaît pas, dites-le nous. On est tout à fait ouvert à essayer de trouver une solution. D'accord? Alors, toutes les techniques que je vous ai montrées là, et je vais vite arrêter de passer la main à mes collègues, vous le retrouvez dans un livre où il y a l'histoire de Poppy. Vous pouvez l'obtenir, en fait, librement sur le site de Framabook. Le titre. Vous téléchargez en PDF en LaTeX. Où est Azeba est où, en fait? Excusez-moi, je voulais les voir. Ils sont où? Comment? Mopsia? Ah, excuse-moi. Est-ce que tu peux vite venir en même temps que je continue, excuse-moi? Le titre du livre. Tiens, regarde cet objet Timio. C'est celui-là. Et j'en ai acheté un pour ma fille. Et puis, j'ai mis la main là-dedans. Comme ça, vous allez voir ce que je fais avec mes collègues ici. Mais c'est sa faute. Et je voulais vous remercier parce que tu m'as donné quelque chose avec Timio. Et en échange, je voulais te donner quelque chose en échange un jour. Voilà, t'as donné sans retour, tu as donné sans attente de retour. Ben voilà, je te donne un truc pour toi, c'est mon retour. Merci beaucoup à vous. Merci. Moi, je donne pas le micro. Merci. Et j'arrête là. Voici un peu ce qu'on fait à Grenoble. Je laisse la place à mes amis. On fait des choses sur l'académie à Grenoble. Il y a quand même beaucoup. Il y a 800 élèves en bac ISN. Ça fait à peu près 50 lycées. 40 lycées ont participé à l'ISN. Ça fait à peu près 800 élèves. Voilà, une poignée de lycées sans formation informatique en bac ESL. Avec Soraya, mes amis Soraya, que connaît Didier, Élise Taillant, Marie Collin, Jean-Marc Vincent, je les remercie, je sais que peut-être ça sera capté, donc ils seraient super contents. Ils font énormément de tuyaux dans les collèges autour de Grenoble. Et je vais laisser la place au lycée de Voiron, parce que moi, je... Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis de la Chouba, je suis professeur de sciences de l'ingénierie et de l'industrie, donc de l'Institut de l'industrie à Voiron. Donc, moi, je vais essayer donc de vous parler donc, de l'expérience que nous avons vécue donc, à Voiron avec des classes de seconde en enseignement d'exploration dans le domaine des sciences de l'ingénieur, et ainsi que des projets que l'équipe éducative, l'équipe de professeurs, donc, envisage éventuellement donc de réaliser, notamment dans le domaine des enseignements donc, technologiques, en STDD, notamment dans le cadre des projets qui vont être réalisés donc, par les élèves, qui sont des projets en fait de 70 heures au niveau des enseignements. Mais avant de commencer, donc, je voudrais d'abord remercier Stéphane Ribas ainsi que l'équipe organisatrice de ce colloque, hein, donc, déjà pour leur accueil, etc. Donc en même temps aussi pour les participants, pour leur réponse, pour l'expérience concernant l'enseignement de la robotique dans leur établissement. Donc, moi, en quelques mots, donc, l'expérience donc, que nous avons eue cette année donc, avec les élèves de seconde en enseignement d'exploration, c'était grâce donc, à M. Ribas qui était venu donc, présenter donc, le robot aussi, donc aux élèves, leur expliquer un petit peu donc, le contexte scientifique dans lequel, évidemment, donc, tout ça se déroule, éventuellement aussi parler un petit peu des questions d'orientation, qui sont des questions qui préoccupent beaucoup donc, nos élèves en seconde générale et technologie. Voilà. Donc, les élèves ont expérimenté donc le robot optique donc du point de vue virtuel donc sur leur machine, sur les ordinateurs, avec la prise en main en fait de ce type de d'environnement graphique en VTL. Donc on a travaillé ensemble sur Snap donc avec les ordinateurs. Donc ils ont pu vivre donc directement une expérience qui était liée donc à la robotique. Le retour que j'en ai eu, c'était un retour extrêmement positif de la part des élèves, très enthousiastes, donc déjà par rapport à tout ça. Ils ont été acteurs donc, pendant un moment donc, au niveau de la formation. Donc, c'est ce qu'on cherche évidemment à provisoire à chaque fois, donc, dans des cadres notamment d'un travail collaboratif qu'on a mis à chaque fois donc, en milieu. On essaie donc, de les amener donc, ensemble à travailler sur un projet et à trouver des solutions donc, par rapport à tout ça. Alors, ce qui a été le plus grand, surtout pour eux, c'était la possibilité de faire des erreurs, donc de pouvoir se corriger, d'être capable, donc, derrière, d'apporter des solutions.
la foi propre. Donc ça, ça a été extrêmement motivant dans ce qui les concerne. Donc, ça leur a permis aussi donc, de se questionner un peu sur leur motivation par rapport à une orientation sur une classe scientifique, sur une classe technologique, sur l'intérieur, etc. C'est quand même évidemment très très important. Au niveau de Voiron, donc, on envisage l'acquisition aussi donc, de robots donc, pour l'avenir. On sait que déjà actuellement, donc, la robotique s'est déjà installée au niveau des enseignements, puisque bon, on travaille avec avec des robots Lego, donc, sur des projets, donc, avec des scénarios, etc., donc, déjà, on aborde. On souhaiterait, en fait, s'orienter vers les robots, donc, copies, dans le domaine plutôt de l'open source, puisque nous avons aussi un univers de l'Arduino, etc., ainsi, que des Raspberry, que nous pouvons, donc, explorer, donc, derrière tout ça, donc, c'est un plus. Cette année, nous avons aussi donc un projet de collaboration avec un Fab Lab qui est installé donc à l'Institut National de Technique de Grenoble, qui nous propose aussi de pouvoir travailler avec nous donc sur toutes les questions qui se rapportent à la construction mécanique par exemple des différentes pièces, sachant que chez nous donc, on a déjà des imprimantes 3D ainsi que du matériel pour pouvoir faire du prototypage rapide en électronique, notamment sur les bases Arduino et Raspberry. Alors, le projet sur lequel on réfléchit en ce moment, c'est l'utilisation de la robotique, notamment dans le cadre de projets en 6D, notamment dans les systèmes d'information numérique ou encore en énergie, de manière à développer donc, des activités donc, dans ce sens-là, permettre donc aux élèves d'instrumenter aussi donc, des robots, de pouvoir tirer des modèles et ainsi de pouvoir comparer donc, ces modèles donc, à la réalité de sa vie. Voilà, donc ça reste donc, pour le moment donc, des projets, mais on va travailler tout ça donc, dans les jours à venir et continuer tout ça pour la rentrée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Et juste trois mots pour finir pour le lycée Alain Borne à Montélimar. Nous, on a acheté 10 timos, on est très contents. On aimerait bien aussi des copies, mais on n'a pas les moyens. Et on est très contents de timos justement parce qu'en bac ISN, ils coûtent pas très cher, donc on a pu les prêter aux élèves. Les élèves, ils ont pris les 3 timos, ils ont gardé chez eux pendant 3 mois. Ils ont pu travailler en dehors du temps de la classe. Et pour les projets bac, c'est indispensable de pouvoir accéder aux robots en dehors du temps de classe. Et comme nous, en plus, on les a reçus au mois de mars et qu'on n'avait jamais travaillé ensemble en classe, on leur a donné, en plus, on leur a dit, ben, débrouillez-vous, vous allez apprendre tout seul comment ça fonctionne. Donc, ils ont appris le langage tout seul. Et ils ont commencé par le VPL. Ils étaient bloqués parce qu'ils n'arrivaient plus à faire plein de choses. Donc, ils sont passés à Bloky. Ils ont été à nouveau bloqués. Puis après, ils sont arrivés au code source. Ils ont appris le langage tout seul, comme ça, ils ont fait un projet qui était créé un nouveau mode de timing. Ils ont présenté au bac, ils ont donné. Et du coup, on a piqué un peu leur idée pour la classe de seconde, et la classe de seconde, pour présenter la programmation orientée objet, on va prendre le timing, on va prendre la VPL, on va leur faire un peu des mouvements, puis on va regarder le code qui apparaît à côté. Et déjà, on avait constaté que faire de la programmation en les faisant faire des dessins, c'était bien. Et ben, je trouve que faire de la programmation en faisant bouger des robots, c'est encore mieux, c'est plus parlant pour les élèves. Et donc là, la programmation orientée objet, elle est passée toute seule. Et pour terminer, juste un petit mot sur ce qu'on va ouvrir l'année prochaine. Il y a une nouvelle option qui a été créée pour le bac ES, L et S. Et ça, c'est un gros projet parce que ça va impacter tous les enseignements. Et c'est lourd, il va falloir trouver des transversalités entre l'enseignement et l'informatique. Donc nous, pour l'instant, j'ai trouvé qu'un seul projet qui est lié à la physique, parce qu'on voit en physique, on étudie les couleurs et l'image. Il y a la programmation, parce qu'on va justement faire le traitement de l'image et l'analyse des données de l'image. Et l'art visuel, parce que dans l'opinion, on fait de l'art visuel. On a une professeure qui a un dessin là-dedans. Et on va prendre un timio et je pense qu'on va essayer de faire des photographies en longue durée et des œuvres d'art parce que un des objectifs de cette option informatique, ça peut être la production d'œuvres d'art avec des outils informatiques. Donc on va essayer de faire des œuvres d'art avec des timios. Voilà, je vous remercie. Super, merci beaucoup. Alors c'est vrai que ils avaient la tâche terrible ouais. Je vais terminer sur une chose qui est importante. Oui, je suis désolé de dire. C'est un truc qui est très important merci. Pour moi. J'entends depuis hier beaucoup de gens qui disent merci à Henri. Quand moi, j'ai appris un truc de vie. Quand je suis allé dans vos collèges, dans vos lycées. En fait, j'ai énormément appris de vie. Et ensuite, nous, à INRIA, je retransmets ça parce que je suis au siège, en fait. Hein, donc, ce qui fait que c'est là où on retransmet après à tout le monde. Honnêtement, je vous remercie vous, d'abord. C'est grâce à vous que nous, on apprend l'INRIA. Vraiment, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui.
Ils avaient la tâche vraiment difficile de clôturer la matinée, ce qui fait qu'avec l'heure du repas, bah, c'était un petit peu précipité. En tout cas, c'était super. Moi, je retiens cette idée de super classe inversée. C'est vachement intéressant. Ça méritera un suivi. Et cet après-midi, vous êtes là. On va pas avoir le temps de prendre de questions. Par contre, vous pouvez les harceler, donc comme d'habitude, toute l'après-midi. Hein? Merci encore à la personne qui a organisé ce colloque. Mais je vous prends mon pied. Bon appétit et puis bah, à tout à l'heure. Non, non.